と少しだけもう少しだけそばにいられたら数えきれぬ思いと時だけが過ぎてく Ça se sent un petit peu là. Non, n'y va pas. Non, je peux pas remonter. Ok. Alors, je pense pas qu'il faille passer par ici. Ouais. Ça fait peur, hein. Regarde comment son mout. Tu m'étonnes que ça fasse peur. C'est stylé, hein. Ouais, c'est sympa. Mais j'ai quand même une préférence pour l'instant avec le griffon. Ah, tu sais me dire pourquoi ? Je trouve le griffon qui est... En vrai, je ne saurais pas précisément te dire pourquoi. Je trouve la maniabilité du griffon plus sympa. Après, c'est pas la même monture, parce qu'avec le draquet, tu sais rester dans les airs sans bouger. Ouais, c'est complètement différent, effectivement. Mais et bon, voilà. tu as droit d'avoir ta préférence. Hein. Le griffon est une monture très sympa aussi. Hein. C'est dans mes cordes. Tout au-dessus. Oui, c'est tout au-dessus. Alors que je viens de descendre, et que j'étais tout en haut. oui. C'est con, hein. Ah oui, ça pourrait être con, c'est con. Ah mais non, j'ai ma tempête qui est juste en face. J'aime bien le dialogue entre Ricklock et Gwen Tacrey, c'est trop drôle. Je vais parler à Logan, ça va être drôle. Est-ce que Ricklock se comporte bien? C'est intéressant de voir Ricklock et Gwen travailler ensemble, mais... Mais quoi? Ricklock, trois petits points. Et nous, on fait trois petits points avec un point d'interrogation. Ce que je veux dire, c'est que... Que quoi? Là, c'est Ricklock qui répond. Ce qu'il veut dire, c'est que nous nous entendons à merveille. C'est vraiment ce que vous vouliez dire, Logan? Eh bien, j'allais dire que... Oui. Ricklock qui répond à merveille. Et toi, tu réponds très bien. Voilà, comme il dit. Excellent. Mais en fait, Gwen, c'est une héroïne humaine, en fait, du temps de la guerre entre les humains et les Tchars. Donc, c'est un peu... C'est un peu tendu, quoi, entre les deux. Je vois. Attends, je vais venir vers toi d'abord pour prendre le TP. Oui. Comme ça, voyons voir. Parlons à Gwen Tacrey. Comment ça se passe avec Logan et Ricklock? Logan est un bon chef, et je suis contente de voir que les Tacrey sont toujours aussi respectés en Tyrie après toutes ces années. Quant au Char, il est... tolérable. C'était trop drôle. Ram, t'as picolé, non? Oh.
qu'est-ce que j'ai... Vous avez volé droit dans le gosier d'un dragon et vous l'avez frappé en plein cœur jusqu'à ce qu'il meure. Ah, mais... La prochaine fois... Je viens avec vous. Qu'est-ce que nous trouverons ? Pourquoi ne pas porter le toast, commandant ? Alors, avant que tu ne parles à tout le monde, dis-moi franchement, qu'est-ce que tu penses de la saison 4 en entier ? La saison 4, c'est juste un truc de malade. Alors, est-ce que... C'est de la folie furieuse, cette saison, c'est... T'as des émotions, t'as des rebondissements, et fait même jusqu'à la fin, c'est là de savoir son grand-père en fait qui est totalement tourmenté, en fait, que savoir que c'était une personne bien de base, c'est de la folie. Et la cinématique de fin, qu'est-ce que t'en as pensé ? Cinématique de fin, elle est juste incroyable, elle est pleine d'émotions, c'est beau, c'est magnifique, c'est triste aussi en même temps. C'est plein d'espoir. T'as versé ta petite larme ? C'est magique. Hein. J'ai eu des frissons dans tout le corps, c'était fou. En tout cas, la réaction de Prosper, c'était putain de cinématique de folie. Flashback. Putain de cinématique. Franchement, moi je trouve que c'est une très belle fin pour cette saison. Alors là, franchement, la cinématique de folie. T'es sur le cul, à vous. Ah ouais, là, complet. Là. Franchement,